À partir du mois de janvier, je débute une nouvelle phase des rencontres. On a mis 2012 et 2013 pour faire des rencontres publiques. Et là, nous avons arrêté pour 2012, dans 2013. À partir de 2014, nous commençons une nouvelle phase des formations. Formation en micro-industrie. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que notre jeunesse puissent être des protagonistes de la vie industrielle de leur pays. Nous voulons pouvoir donner des instruments à tous les Africains pour qu'ils puissent ne plus être seulement des spectateurs de ce qui se passe dans leur pays. Parce que l'Afrique est en train d'aller très vite vers sa prospérité. Mais si on n'est pas protagoniste, nous serons encore des ouvriers dans notre propre pays. Et les ouvriers ne comptent rien du tout. Et plutôt que de laisser de subir que les autres viennent chez nous nous employer, nous chercherons à travers ces leçons de donner des instruments, de donner des secrets de fabrication et surtout de suivre chaque jeune qui sera inscrit à ce cours pour que chacun porte son projet jusqu'à ce qu'il soit sur le marché. Et être même sur le marché, ça ne va pas suffire parce que nous serons encore là pour faire. Notre objectif, c'est le fait que vous soyez présents sur le marché de votre pays avec votre produit et ensuite aller à la conquête du monde. Donc, nous organiserons, nous participons à des foires au niveau international pour ceux qui seront déjà prêts avec leurs produits. Nous voulons que le Made in Africa soit présent sur les marchés internationaux avec ce que nous avons davantage. Nous avons déjà ciblé certains secteurs où nous savons que l'Afrique a de l'avantage, où l'Afrique a quelque chose à offrir. Donc, la première édition a lieu à Douala, dans la deuxième partie du mois de janvier. Ensuite, on a à Paris, toujours dans la deuxième partie du mois de février. Ensuite, on a à Montréal, je crois que c'est aux environs du 23 mars, et ainsi de suite. Ensuite, on va faire à Berlin, peut-être Berlin, parce qu'on a encore à discuter si Berlin ou Nuremberg. Ah, donc, comment s'inscrire sur le site? Donc, pougala.org, vous avez la fiche d'inscription, ou bien vous envoyez un email à info@geostra.com, ou bien info@iegeducation.com. Ça, c'est, ou bien pougala.org, donc vous avez mes emails où vous pouvez. Donc, nous préférons, on donne une priorité à ceux qui ont déjà lu le livre, parce que l'objectif pour nous, c'est de réinventer des industries africaines de demain. Nous voulons pouvoir former nos jeunes à aller défendre les intérêts de l'Afrique. Donc, il faut que ce soit des jeunes qui ont déjà un minimum de fierté d'être africains. Et ayant déjà ce minimum, il nous sera beaucoup plus facile de transmettre certaines choses. Donc, bienvenue à ces formations. Et on espère que ensuite, vous serez nos formateurs une fois qu'on vous aura formé, pour qu'on ait toute une équipe à long terme pour pouvoir garantir ce développement harmonieux de notre continent. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de former des industriels, mais il faut le transférer. Nous devons leur donner aussi l'éthique, parce que nous avons une vision, la vision du partage. Nous avons, ce n'est pas les autres qui peuvent nous enseigner l'humanisme. Donc, à travers cette formation, nous transmettons aussi de l'humanisme. C'est quoi l'humanisme africain? C'est quoi être heureux avec les autres? Au lieu de ce modèle qu'on a maintenant, que c'est l'accaparement de ressources, j'écrase tout le monde, l'important c'est que je sois riche tout seul. Non, nous transmettons comment, si quelqu'un a une phrase qui peut sauver l'autre, il ne faut pas qu'il fasse la rétention, il faut qu'il puisse communiquer, parce que nous serons heureux quand on sera nombreux à être heureux, et non seulement une personne à être heureuse. Bon, merci.